Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing en partenariat avec la boutique Oraloa. Oui, j'ai l'immense honneur de présenter trois kits de leur boutique. Donc ça, c'est le troisième kit. Vous avez dû voir les deux précédentes vidéos où je vous présentais deux autres merveilleux kits. Donc voilà le troisième. Donc j'ai en pré enlevé le film transparent, donc sachez que c'est sous film rétractable. Voilà, donc les boîtes sont magnifiques, voilà, avec un beau dégradé diamond painting. Voilà, et je vous montre l'image que j'ai choisie. Ça n'étonnera pas grand monde. Voilà, j'ai choisi The Wild de Minasi Muté. C'est la petite jeune femme, un peu avec des plumes, ça fait un peu une indienne, avec un beau tigre. Voilà, et paysage d'automne, j'adore l'automne. Donc les teintes orangées, c'est ma couleur préférée. Donc tout était réuni, et c'est la compagnie Oraloa. Donc j'ai envie de vous dire, tout était réuni, et c'est du carré. Donc vraiment, tout était réuni pour... pour que je puisse craquer, quoi. Et puis, c'est une 60 par 60. Voilà. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Ça se présente comme ceci. Avec du plastique pour la protéger. Donc, Oraloa, un toucher coton. Dentelé surpiqué, donc finition au top. Donc là, elle est roulée dans ce sens-là. Attention, attention, attention. Hop, on va se mettre ça sans côté. Ça aussi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, quand ça roule, n'hésitez pas à retirer le film protecteur pour replacer. Voilà. Pareil en bas. Voilà. Ça fait partie des petits conseils qui est inscrit sur la notice. Et ensuite, on vient chasser l'air avec ce petit accessoire. Si vous n'avez pas de raclette, je vous rappelle que dans le toolkit, il y a des nouvelles petites plaques en résine. Donc, je vais vous montrer une utilité de plus par rapport à tout ce qu'on peut dire. Donc, dans ce toolkit, j'ai eu Monsieur Tiki. Donc, on peut s'en servir de cover minder, de modèle pour la grandeur de votre case, de dessous de tasse, mais aussi... pour pouvoir replacer votre film et chasser les bulles d'air. C'est vrai que je vous en ai pas parlé dans les autres vidéos, donc je viens d'y penser, mais cette petite plaquette peut vous servir à ça, à replacer votre film et à chasser l'air. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Oh, trop trop belle. Trop trop belle. Oh là là. Alors, en haut, vous avez le nom de la boutique. Vous avez une table des matières en haut à gauche, en bas à droite. En bas à gauche, vous avez la miniature de l'image, l'artiste, le nom de la toile, la taille de la toile à diamanter, donc 60 par 60. Vous avez le slogan d'Oraloa. Vous avez les réseaux sociaux. Et on voit qu'il y en a 56 couleurs et il y a 4 AB. Le 5200, le 3078, le 666, le 445. Donc on va aller voir ça après. On va voir d'abord le toolkit. Donc le toolkit. Maintenant, vous avez ce genre de petite plaque en résine, donc qui peut servir
petite chose que je vous ai signalée juste avant. On va voir le reste. Donc, vous avez une barquette blanche avec bel éclaireur, un washi tape à l'effigie de la marque avec tous les petits personnages qui forment la famille Oralois. Ensuite, vous avez, alors je sors tout, hop, je ne vous ai pas montré, mais le toolkit en lui-même est à l'effigie d'Oraloa. Vous avez un stylet transparent avec un embout multiplaceur de 3, simple, et il y a un multiplaceur de 10, voilà. Avec, pour plus de confort, une petite mousse. Ensuite, qui dit stylet dit cire, voilà, pour mettre dans le stylet. Donc, une petite boîte fraîcheur pour éviter que ça sèche. Il y a 3 pains de cire, donc vous avez largement de quoi faire avec tout ça. Vous avez une pince. Alors, celle-ci est violette, mais vous avez un bleu vert d'eau, là, et une rose. Donc, en ce moment, moi, j'ai que des violettes et des bleus, mais surtout des violettes. Vous avez une petite carte de remerciement, voilà. Et là, j'ai 2 autocollants. Ils sont sympas, ceux-là. Moi, je les garde parce que je les mets sur ma page de carnet de suivi quand la toile, elle est terminée. Donc ça, je garde. Hop. Ça, je range. Et ensuite, on va aller voir les petites instructions. Alors, vous avez 2 feuilles qui sont livrées avec le kit. Donc, le petit fascicule qui vous dit « Bienvenue dans le monde créatif de Oraloa ». Qui vous remercie de votre achat. Vous avez comment faire du diamond painting traduit en 4 langues. À chaque fois, c'est traduit en 4 langues. L'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol. Donc, les petits conseils, c'est entre autres replacer le film. Voilà. La petite famille Oraloa avec un code promo qui est disponible sur le site qui vous procure 10%. Sachez que j'ai mon propre code promo qui est valable tout le temps, qui est pareil de 10%. À la différence de celui-ci vous procure que moins 10%. Le mien vous procure moins 10%, mais aussi si vous achetez, ça me permet d'avoir une petite commission qui se met sur une petite cagnotte et qui me permet d'avoir un bon d'achat sur le site Oraloa pour vous montrer encore plus de toiles bien détaillées comme ceci. Et pourquoi pas choisir des petites nouveautés à vous montrer. Voilà, je remercie énormément tous ceux qui l'utilisent. Je vous ferai part évidemment avec quelle toile j'aurais acheté avec cette cagnotte. Revenons à notre toile. Vous avez une feuille de route qui est entièrement autocollante avec le logo Oraloa, le nom de l'artiste, le nom de la toile. Enfin, le nom de l'illustration plutôt. Regardez-moi ce layout qui est vraiment comme l'image. Oups. Taille de l'image, 60 par 60. Et du coup, la référence. À côté, vous avez plein d'étiquettes avec 56 couleurs, 4 AB. Les étiquettes sont individuelles, autocollantes. Prête à être collée sur vos petits flacons. Voilà, avec évidemment le site internet. Alors, allons voir cette toile de plus près et je vais vous montrer du coup l'impression des symboles ainsi que voir si c'est pas trop confetti. Alors, on va voir, c'est plutôt bloc, j'ai envie de vous dire. Le fond, il y a 2 couleurs. Voilà, donc là, on ne peut pas faire plus bloc. Les feuilles en haut. Écoutez, ça peut aller. Hein. Je peux vous montrer que du coup, il y a un petit quadrillage qui est très pâle, mais qui se voit. Pareil pour les couleurs foncées.
On voit bien le quadrillage. L'impression, comme vous pouvez le voir, il est nickel. Écoutez, c'est top, hein, ces cheveux. Ouais, j'adore les cheveux. Hein, donc, c'est des lignes. Le visage, regardez-moi ce beau regard vert. Oh, c'est magnifique. Il n'y a pas de AB dans les yeux. Je vais regarder si j'ai pas des AB verts. Non, mais regardez, c'est assez bloc. Et le tigre. Bon, il y a un peu plus de changement de couleur, mais après, en même temps, ça fait l'effet fourrure. Non, mais c'est nickel. Hein. Non, c'est super bien. Alors, on va se repositionner. Attention au décollage. Voilà. Je vais essayer de ne pas vous faire tomber, ce serait pas mal. Là. C'est bon? Non, c'est pas bon. Je vous rebaisse un peu. Hop. Là. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas vous faire tomber encore une fois. Bon, on va voir ces diamants. Diamants en résine chez Oraloa. Les carrés en résine. Regardez-moi ces couleurs. Très très belle, très très belle. Et là, il y a les petits AB. On va aller voir ça tout de suite sur le sachet. Vous avez la référence de la toile et je ne vous ai pas montré sur le sachet. Donc là, il y a le numéro de la couleur, la DMC et le grammage. Sachez que c'est rangé dans l'ordre, dans le sachet. Là, c'est le numéro 1 et hop, c'est dans l'ordre. Donc, c'est plus pratique aussi pour ranger ces diamants dans les valisettes. J'ai dit 4 AB. 1, 2, 3, 4. C'est bon. On va commencer par le blanc. Il y a un gros sachet de 17 grammes, comme vous pouvez le voir. Et donc, AB, c'est Aurore Boréale, c'est la surbrillance. Vous voyez, là, ça fait un peu des bleutés, du jaune, du violet, voilà, que vous avez sur les brillants. Et sur les brillants, sur les diamants, pardon. Du coup, il y en a dans le fond, ce que vous voyez un peu plus blanc. Voilà, tout ce que vous voyez un peu plus blanc, ici, ici, ici. Non, juste ici, à ce niveau-là. C'est du AB, c'est la petite encoche. En fait, son maquillage, enfin son maquillage tribal là, c'est en AB. Voilà, il y en a un tout petit peu pour le contour ici et sur son nez. Et un petit peu ici, un seul sur son nez et sur le maquillage tribal un peu là. Il y en a un petit peu ici sur sa clavicule. Pour marquer la clavicule. Là, il y en a un petit peu sur son épaule parce que du coup, son épaule brille. Elle est où l'image? Ouais, vous voyez ici, c'est en surbrillance. Donc, il y en a un petit peu tout le long, mais c'est pas tout le long. Hein. C'est un petit peu parsemé à droite à gauche. Là, il y en a un petit peu ici. Donc la petite clavicule, ensuite il y en a dans sa plume ici, il y en a un tout petit peu ici en surbrillance, alors moi je laisserai, hein, moi ça ne dérange pas, puisque du coup dans l'illustration on voit que c'est blanc, donc ça correspond. Hein. Et il y en a beaucoup plus dans le tigre, du coup il y en a dans ses oreilles, il y en a sur les lignes. Ici, là, il y en a sur la fourrure à ce niveau-là. Ses moustaches, toutes ses moustaches sont entièrement en AB. Et il y en a un petit peu dans sa petite fourrure ici, un petit peu parsemé ici. Ouais, et un petit peu dans sa petite fourrure plus blanche ici. Et dans son menton, ouais, il y en a un petit peu à droite à gauche. Voilà. C'est pas mal ça. Voilà pour le blanc. Ensuite, il y a du rouge.
un petit peu de rouge du 666. Alors, le 666, ok. Il y en a un petit peu dans sa petite fleur dans les cheveux. Il y en a. Est-ce qu'il y en a dans les feuilles? Oui. Ce qui est rouge dans les feuilles rouges. Donc, il y a une feuille rouge ici, une feuille rouge ici. Donc, il y a du AB à l'intérieur. Et je crois que c'est tout. Il y en a un petit peu ici. Et c'est tout. Ouais. Dans son petit rouge là et là. Voilà. Voilà. C'est dommage que dans leurs yeux, il n'y a pas. Je vais voir si je peux pas faire une petite substitution. Le 3078, voilà, c'est le petit jaune coquille d'œuf, j'appelle ça. C'est le losange, Ça, ça va être dans le fond. Ah bah oui, il y en a là, C'est dans le fond, le losange. Ouais, là. Et en haut ici. Là. Tout ce qui est un peu jaune cassé là, dans le fond. Là aussi. Ouais, donc ça va être plus dans le fond celui-ci. Et après, il y a un jaune un petit peu plus soutenu, le 445. C'est les deux petits traits. Ok. Et ça, c'est pareil. Ça va être dans le fond. Ça va compléter un peu celui-là. Voilà. Et ça va être mélangé par ici, par ici, par ici. Voilà. Pas le jaune le plus grisé, là. C'est là. Là, est-ce qu'il y a le retour? Non, il n'y a pas le retour. C'est tout ce qu'il y a là. Il y en a un peu au bout là. Il y en a un petit peu là. Et voilà pour les AB. Moi, j'essaierai de voir pour leur mettre du vert dans les yeux. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Voilà pour moi, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà, déjà faite, puisque ça fait un petit moment qu'elle est sortie sur le site Oraloa. Je suis curieuse de savoir si vous l'avez faite ou si vous l'avez en stock, hein, pourquoi pas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour suivre toutes mes réalisations de toiles de chez Oraloa, évidemment. Plein d'énormes bisous. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.